Une question. Okay. Comment tu te sens actuellement? Bien dans ma peau, un peu stressée, c'est tout. Ok. Il n'y a pas de soucis. Monsieur le maire, monsieur le roi et mademoiselle Siri, au nom du maire, nous disons merci d'avoir choisi la mairie d'Agro pour votre mariage. Monsieur le maire, refermez la porte. Pour ce lieu, nous allons dire je et mademoiselle Siri à loi Natacha. Et je vous demande d'applaudir. Au nom du ministre d'État, M. Karamiko, le magistrat de la commune d'Agro, vous souhaitez la bienvenue dans votre maison commune. Je suis dans le plan Louba, c'est bien ça, et mademoiselle Sir. Nous divisons rapidement les quatre étapes de la procédure. 1. On va lire le code civil pour vous. Ensuite, on va procéder au choix du régime matrimonial. Ensuite, on va lire le consentement mutuel et on va vous mettre le livre des familles. Donc, nous allons procéder à la lecture du code civil. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 51, 58 nouveaux, 59 nouveaux, 60 nouveaux et 67 nouveaux du code civil relatif aux devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Et article 58 nouveaux. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille pour voir à l'éducation des enfants et préparer leur avenir. Article 59 nouveau. Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l'autorisation de saisir, arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une partie du salaire du produit du travail ou des
revenus de son conjoint. Article 60 nouveau. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Article 67 nouveau. Chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Voici pour vous le code civil relatif au mariage. Nous allons maintenant procéder à l'enregistrement de votre choix matrimonial. Monsieur Louba Boablé Jules, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens? Communauté des biens. Mademoiselle Henriette, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens? Communauté des biens. Monsieur Louba Boablé Jules, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Cyril Alou ici présente? Oui! Concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Louba Boablé Jules ici présent. Je dis oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. Les familles qui sont ici présentes, qui sont présentes, qui sont là tous aujourd'hui pour le bonheur, mais comme la vie et comme aussi des difficultés, on ne le souhaite pas. Quand il y a que vous soyez là aussi pour le soutenir. Alors, félicitations et vous avez votre dévolu de famille à deux, monsieur. Voilà, félicitations encore à vous. Je veux t'aider, je veux t'aider, je veux t'aider.
C'est pour toi, hein? On n'est pas pressé. Doucement. Vous êtes toujours au milieu de la photographe. Tout a marché maintenant.
le sourire. Regardez ce qui est en train de se passer. Laisse-moi. Les garçons, devant. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Oui. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ah, ne pas trop tirer pasteur, parce qu'il est là. Amen. Tout est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous recevoir. Que la faveur, la grâce de Dieu repose sur vous. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce mariage. Pour notre frère Gabré et la sœur Natacha. Amen. Pour l'instant, la mairie a célébré, mais à l'église, on appelle la sœur Natacha. Pour l'instant. Amen. Quand nous allons passer par la cérémonie nuptiale, le nom de Natacha va changer. Gloire à Jésus. On va porter le nom de notre frère. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Avant de commencer, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et te louons pour ce moment. Merci pour ce mariage que tu as béni. Merci pour tout ce que tu as conduit en ces lieux. Ce sont tes placés et qui sont venus. Nous te rendons grâce et te louons. Merci pour le Saint-Esprit qui va pour toutes choses. Bien-aimés, nous allons nous excuser parce que ça n'a pas été facile pour le du mariage. Et j'étais parti en mission au Bénin pour l'œuvre du Seigneur. Mais après, je suis revenu. Il y a eu quelques décalages ici. Le Seigneur me dit de revenir. Un nègre, il s'en va. Quand ça ne va pas, il revient. Et c'est pourquoi nous avons eu quelques petits moments de mouvement, mais le Seigneur est en train de restaurer les choses. Et quand vous allez dire que non, bon, il n'y a pas assez de monde, l'église a subi une preuve où on peut dire que l'église était pratiquement à terre. Mais le Saint-Esprit n'est pas à terre. Et il est en train de relever l'œuvre du Seigneur. Et aussi, on ne voit pas de nourriture. Il y a nos soeurs qui sont quelque part. Elles vont venir. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un enseignant prophète. Paul Moïse d'Oliveira. Pour ceux qui me connaissaient, à l'époque, prophète d'Oliveira Isidore, le nom Isidore n'est plus parce que le Seigneur est venu de changer. Gloire à Jésus. Nous allons voir un thème très simple. Dieu, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Amen. Ici, on fait comme à l'école. Hein. Ne vous en faites pas, on ne va pas durer. Thème. Ton Dieu sera qui? Mon Dieu. Mon Dieu. Et ton peuple,
Gloire à Jésus. C'était à partir du verset 11 à 17, que nous allons voir. Brutement. Tout brûle, la façon ça sent. Ça va jamais brûler. Alléluia. Voilà, doucement, doucement, doucement. Voilà, et vite là. C'est là que ça se passe. C'est quoi jour aujourd'hui? Eh, non, marchez, s'il vous plaît. Groupe musical. Faites face au groupe. Vous avez regardé le Seigneur, les hommes l'avaient le Seigneur, vous avez aussi. Aujourd'hui, c'est le jour. Alléluia. Bien-aimé, apporté a été légalisé dans la Bible. Quand Jésus a mis. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Du mariage. On appelle à l'église le mariage nuptial. Amen. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le mariage du frère Loba et de la soeur Sylvie Natacha. Et à partir de cet instant, après ce mariage, ils ne seront plus deux, mais ils auront une seule chair. Ils seront un. Ça, c'est le calcul de Dieu. Parce que Dieu, pour lui, là, quand tu divises, ça devient beaucoup. Amen. Et deux ensemble, ça fait un de Dieu. Bien-aimé, Loba, Gabriel Jules. Regarde les sœurs. Nicole, vous venez les regarder. Regarde les sœurs. Je l'attends bien. Les sœurs. Vous regardez les sœurs dans la salle. Amen. Tu es sûr que parmi toutes les soeurs qui sont là, c'est celle que tu as choisie. Oui. Alléluia. Attends, il a dit oui, les soeurs. Amen aussi. Alléluia. Quand aujourd'hui tu as pris la décision, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire à sa femme et elle est devenue ce chien. Frère, Loba, Gabriel Jules, veux-tu prendre comme épouse la sœur Sylvie Natacha ici présente devant Dieu, devant les hommes, devant le Saint-Esprit, devant les démons même, devant les hommes, devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Oui.
pensais que le ville est masqué. C'est un peu lui. Alléluia. La sœur Cyril Natacha. Aujourd'hui, c'est pour Zoom. Elle ne joue pas comme les autres. Alléluia. Et celui dont tu passes à deux fois. Il dit qu'une seule fois. Oh, ma fille. Regarde les prêtres dans l'église. Les hommes, tenez, vous devez pas venir. Voilà, ouais, les hommes, c'est pour que vous. Amen. Et c'est lui que tu as aimé. C'est lui que tu as choisi. Donnez le diplôme, voir si c'est lui vraiment. Je suis convaincu, c'est lui. La soeur Natacha, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant l'armée céleste, les démons même qui attaquent toujours, devant Jésus de Nazareth. Veux-tu prendre comme époux le frère Lobage qui va prier ici présent? C'est pourquoi je dis oui. C'est un moment fort, amen. Un moment merveilleux. Amen. Vous savez, la Bible dit que ce que tu confesses de ta bouche, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth. Alléluia, tu es sauvé. De la manière que les dieux ont confessé dans leur bouche, qu'il accepte que Natacha soit son épouse et Natacha accepte, amen, que Gabriel soit son époux. Sur la base de votre parole, je vous déclare homme et femme unis dans le Seigneur. D'accord, le Seigneur. Le Seigneur, on acclame le Seigneur pour le tout premier. On acclame le Seigneur pour le tout premier maintenant. On souhaite que vous êtes tous les chers. Parce que tu peux se faire pour l'autre temps. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est plus. C'est fini. Non, madame, Boabré. Mais si Boabré te fatigue, tu dis madame Lopa. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Donc, madame Lopa. Pardon. Madame Lo. Madame. Ami, madame. Ami. Elle est convaincue. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus. Nous allons célébrer le mariage. Maintenant, tu vas prendre la main gauche de ton épouse. Faut pas me la voir. Faut pas te presser, mon ami. Faut pas te presser. C'est ton temps. Prends le temps. Observe le doigt. Ne te trompe pas de toi. Mais si tu te trompes de toi, c'est comme si tu l'avais fiancé. Devant les hommes, devant le feu des fruits. Je prends Dieu à tes mains.
j'ai accepté de marier. Comme le signe de mon alliance. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur des Seigneurs? Aujourd'hui, j'ai accepté. Aujourd'hui, le couple va être uni dans le Seigneur. Et nous savons que ce mariage est arrivé de toi. Et nous bénissons ce mariage. Nous bénissons la maison. Nous bénissons leur activité. Mais la bénédiction s'attache à leur maison. Au nom de Jésus, que tout vent de doctrine, tout vent de divorce se loigne de leur vie au nom de Jésus. Je prie en tant que le leader que la faveur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Où il y avait le manquement, compte cela au nom de Jésus. Après ce mariage, bénis leur vie sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan social. Seigneur, souviens-toi de leur vie. Seigneur, je prie que tout ce qui peut causer le divorce soit chassé de leur vie. Toute attaque de maladie que l'ennemi peut infliger dans leur foyer pour amener soit la paralysie au niveau de l'homme ou une maladie qui va décourager l'un des conjoints, soit vécu au nom de Jésus. Seigneur, garde-les entre les creux de tes mains. Que ta faveur repose sur leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu les abandonnes point. Que ce soit la sécheresse, que ce soit les épreuves, soit à leur côté. Ne permets pas qu'ils changent de voie, qu'ils demeurent sur la voie jusqu'à la vie éternelle. Et qu'un jour dans le royaume, nous nous réjouissons tous à la vie éternelle. Nous prions que Seigneur, l'onction de gloire, l'onction de miracle, l'onction de prodige les accompagne partout, Jésus. Que les enfants soient en bonne santé. Que les enfants ne soient point des enfants délicats, mais des enfants obéissants, des enfants sages, des enfants intelligents, des enfants qui sont remplis de la connaissance supérieure, de l'intelligence supérieure. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je les bénis de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Que la bénédiction de Dieu s'attache à leur vie, à leur maison, Jésus. Seigneur, donne-leur de grandes maisons, Seigneur. Seigneur, permets que Seigneur, ils jouissent de la vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que ce mariage va apporter le bonheur dans leur foyer. Ce mariage va apporter la joie dans leur foyer. Tout ce qui est des caprices, tout est vécu au nom de Jésus. Seigneur, que l'amour multiplie. Que l'amour croisse chaque jour, comme s'il vient de se rencontrer. Que toute séduction du dehors soit vécue au nom de Jésus. Et je prie que Seigneur, l'un et l'autre s'attache contre Dieu. C'est pourquoi, sur la base de la part de Dieu, je les unis au nom de Jésus. La Bible déclare que Jonathan et David se sont unis dans l'âme. Je déclare que l'âme de Loba, l'âme de Céline Natacha s'unissent au nom de Jésus pour former une seule âme. Que le Saint-Esprit les accompagne, que le sang de Jésus les couvre et qu'ils soient bénis à jamais. Au nom de Jésus, amen. Bonjour les amis, doucement. Voilà. Bien. Restez là. Vous restez là. Vous tournez maintenant. Venez comme ça. Alléluia. Ici là, il y a pas de on acclame le Seigneur, acclame, je me croyais unique.
mais à ton contact, je découvre un grand mystère. Alléluia. Pour toi, les îles sous terre, mais je souffre, je réalise que Denis, tu es ma source, mon idéal. C'est plus de volonté. Mais maintenant je pleure, ton regard c'est moi. Je ne sais vivre sans toi. Mon ciel bleu qui me donne de l'espoir. Thank you.
Yeah.